ça disait qu'il fallait changer la façon de préparer les budgets, surtout les budgets de dépenses, parce que les citoyens ne comprenaient pas trop, puis les députés avaient de la misère à savoir à quelle fonction étaient alloués les crédits. Alors, on avait promis de faire le budget par programme, le PPBS, qui a fait rire bien du monde, parce que quand Bourassa parlait du PPBS dans l'Est de Montréal ou dans les comtés ruraux, c'était Alcide Courcy, qui était un très bon orateur, qui avait été ministre de l'Agriculture puis qui avait été l'organisateur de Bourassa pour le Congrès au leadership. C'était un fernard, mais un gars d'un bon jugement, un gars très sympathique. Puis il présentait Bourassa dans toutes ces salles-là parce qu'il y avait le tour de réchauffer la salle. Puis il disait, en parlant de Bourassa, c'est un gars bien instruit, il disait des choses comme ça, c'est bien instruit, puis il va appliquer le PPBS. Je ne sais pas quelle bobite que c'est, mais c'est bien bon. Puis les gens riaient, il y avait le tour de présenter, mais c'est quand même, il fallait le faire. Et ça a été ma première tâche comme ministre des Finances, c'est d'entreprendre cette réforme de la loi de l'administration financière qu'on a fait adopter à l'automne de 70, mais qui a demandé beaucoup de préparation parce qu'au lieu d'avoir les budgets préparés par série de dépenses, les salaires, les voyages, etc., c'était par programme. Je peux dire aujourd'hui que je ne pense pas que Raymond Garneau, ministre des Finances, aurait pu réussir cette modification, peut-être la plus grosse qui s'était jamais faite dans la fonction publique en termes de méthode de travail, de fonction de travailler, sans Michel Bélanger. Michel Bélanger était un haut fonctionnaire qui avait beaucoup le respect des troupes parce que c'était un gars d'abord compétent et il était le premier secrétaire du Conseil du Trésor parce qu'on a créé le Conseil du Trésor par la modification de la loi. Dans tout cet environnement-là, on a travaillé à changer le budget avoir le budget par programme. Et ça a été probablement, moi, cette structure-là existe encore. La loi de l'administration financière, est après 36 ans, c'est-à-dire, elle existe encore. Elle a résisté au temps, donc ça doit être un classique. Mais c'était une des choses importantes, là, comme jeune ministre que j'ai fait. On a séparé complètement la fonction de vérificateur général qui devenait indépendant comme fonction, une fonction indépendante du gouvernement. Il était nommé par consentement de l'Assemblée nationale et il ne pouvait être révoqué de son poste que par un vote des deux tiers, je crois, de l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative, comme elle s'appelait dans le temps. Et on a créé aussi le poste de contrôleur des finances, qui était un peu comme entre les périodes de vérification externe, s'assurait du bon fonctionnement des finances publiques. Quand on est arrivé au pouvoir, il y avait, dans les jours qui ont précédé ou qui ont suivi, là, j'ai pas la mémoire, le rapport qui avait été confié par le gouvernement de l'Union nationale au fiscaliste Marcel Bélanger sur la réforme à apporter au commerce des alcools. Et le rapport Bélanger proposait de séparer la partie qui était délivrait les permis pour les bars, les hôtels, etc., du commerce de l'alcool. De ce qu'on appelle, avant ça, ça s'appelait la régie des alcools. Et on a séparé les deux. Il y a eu un tribunal qui est une forme de quasi-judiciaire, un tribunal administratif, qui applique des lois, qui donne des permis de restaurateurs, de bars, d'hôtels, etc. Puis de l'autre côté, ce qu'on a appelé la Société des alcools, qui était une structure à capital action, mais dont les actions étaient détenues par le gouvernement du Québec. À cette époque-là, c'était le ministre des Finances qui détenait ces actions-là pour le gouvernement. Alors, on a fait ce qui a été un gros changement dans la façon de gérer et de faire la promotion aussi, l'idée étant de spécialiser le marché de la Société des alcools dans un domaine qui n'avait rien à voir avec la fonction de juge au tribunal, et aussi qu'on voulait moderniser nos magasins, changer l'image, etc. Ça a été aussi un débat intéressant. On a fait une erreur, je crois, comme gouvernement, c'est d'avoir déplacé, durant cette crise-là, le siège du gouvernement de Québec à Montréal.
On a vécu pendant une période de 15 jours, 3 semaines, pratiquement, le gouvernement siégeait au dernier étage de l'hôtel Reine-Élisabeth. Bourassa avait décidé ça comme ça parce qu'il croyait, comme l'action était à Montréal, comme les forces policières étaient à Montréal, parce que ça se passait à Montréal, le gros de l'histoire, que ce serait plus facile d'avoir des contacts réguliers avec la direction de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale, de la police de Montréal. Alors, je pense que ça a été une erreur parce que ça a donné plutôt l'impression qu'on vivait dans un bunker caché, etc. Évidemment, on avait nos maisons étaient protégées par l'armée, puis on avait deux personnes dans l'auto. Bourassa, le premier ministre se promenait toujours avec deux voitures parce que le gros problème des événements d'octobre 70, c'est qu'on ne savait pas quelle était la force de l'organisation qu'on pourrait appeler des terroristes aujourd'hui. Est-ce que c'était un petit groupe? Est-ce que c'était un gros groupe? On ne sait pas. Donc, on se réunissait à demande quand il y avait des décisions à prendre. Par exemple, quand la police décidait d'aller faire un raid à quelque part, puis que ça pouvait être dangereux parce qu'il y avait du monde. Je me rappelle, entre autres, un soir, il y avait eu des informations à l'effet que il y avait les caches étaient dans un sous-sol d'un cinéma. Et là, les policiers, évidemment, ils étaient très braves, mais ils voulaient avoir l'approbation du gouvernement si ça tournait mal, probablement. Alors, il fallait leur dire oui ou leur dire non, après les avoir écoutés. Et cette histoire-là, quand les gens sont sortis du cinéma, rentré par la force, mais il n'y avait rien. Il s'est trompé. Mais ce qui était, vous savez, c'était inquiétant un peu. On recevait des enveloppes avec des balles dedans. C'est-à-dire, des balles revolées. La prochaine est pour toi, des affaires comme ça. Un moment difficile et très pénible, ça a été quand on a reçu la lettre de Pierre Laporte, qui écrivait à Bourassa comme premier ministre. Puis, dès que ma vie est entre tes mains, des choses, ça, c'est émotivement, c'est très. C'est pogné un peu. L'autre décision majeure qui, moi, m'a bouleversé beaucoup, ça a été la décision de procéder à l'arrestation d'une couple de 100 personnes à Montréal. Et quand la Sûreté du Québec est arrivée avec cette proposition-là, c'était un long débat, puis là, bien, écoutez. Comme ils ne savaient pas, c'est tout. Je ne sais pas comment ils avaient listé ces gens-là. Il y avait la Ville de Montréal qui poussait beaucoup. Il y avait Lucien Saunier, qui était le vice-président, le président du comité exécutif de Montréal, qui disait qu'il faut passer à l'action. Puis moi, je m'étais objecté à ça. Et ça allait tout contre mes principes de liberté. Comme libéral, je trouvais que ce n'était pas acceptable. Et comme je m'étais objecté, j'ai eu un argument avec le M. Saint-Pierre, qui était à ce moment-là directeur de la Sûreté du Québec. Puis comme je m'étais objecté, etc., ils ont dit, j'ai eu la lourde tâche, imagine-toi. Ils ont dit, on va te donner la liste, puis regarde-la, puis si tu as des personnes que tu veux enlever, on va les enlever. Mais là, dans une petite salle, là, à prendre la... je ne connaissais pas personne. C'est tous des noms que je ne connaissais pas. Moi, j'ai dit, que les cheveux avec ça, je ne les connais pas. Et... finalement, bon, ben, le consensus a été qu'on procédait à l'action. Puis, quelques mois après, c'était à l'automne, donc les crédits, ça arrive au mois de mars, avril, mai, dans ce coin-là. Et c'était la journée des crédits de la Sûreté du Québec, la police provinciale, la Sûreté du Québec. M. Saint-Pierre, qui venait, moi, je n'étais pas mon ministère, mais je le rencontre par hasard dans un corridor au Parlement. Il dit, M. Garneau, je veux vous parler. Alors, j'ai dit, oui, on s'en va dans l'encadrure d'une fenêtre, on s'assoit sur la tablette de la fenêtre. Il dit, ça fait longtemps que je voulais vous le dire, mais il dit, vous aviez raison. La conférence de Victoria, c'était à l'automne 71, de mémoire. 71, ça fait 35 ans. C'était une maudite bonne formule. Une bonne formule. Moi, je suis pas allé à Victoria. Il y avait Bourassa, Jean-Claude Rivet était là aussi, il y avait des sous-ministres, du côté politique, il y avait Claude Castonguay. Alors, moi, je suivais l'évolution de ça par les rapports qu'on avait je pense, Julien Chouinard était là, qui était le greffier du Conseil des ministres. On avait les rapports. Puis un soir, le dernier soir, là, je savais que c'était le dernier
il allait prendre une décision. Et je me suis couché, probablement vers après une nouvelle. Puis vers 2 h du matin, le téléphone sonne à cause du décalage horaire avec Vancouver, 3 h, il devait être 10 h 30, 11 h, les séances étaient terminées. Puis Bourassa, il m'appelle. Il dit, comment ça va? Ben, j'ai dit, tu me réveilles. Je dis, comment? Je pars par la fente du bois. Il me raconte un peu ce qui s'était passé, puis comment ça se présentait, puis il m'explique qu'il était un peu hésitant, mais qu'il trouvait que la formule le Victoria était un grand gain pour le Québec, etc. Alors, moi, je lui ai dit, il dit, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, j'ai dit, Robert, j'ai dit, moi, l'expérience que j'ai déjà lu en l'histoire politique, si tu veux dire oui, viens le dire à Québec. Si tu veux dire non, dis-le là-bas, ça ne me fait rien. Alors, il est parti sans dire non. Il s'est venu ici. Je pense que, et là, la pression que Castonguay avait mise, parce que Castonguay menaçait de démissionner, ce qu'on m'a raconté dans le temps, avait menacé de démissionner si on acceptait Fulton la formule de Victoria. Alors, mais quand j'ai vu qu'il n'avait pas dit non là-bas, je pensais qu'il s'en venait de dire oui ici. Et là, ben là, je pense que ce qui l'a amené, je pense qu'il voulait dire, il voulait accepter Victoria. Et ce qui l'a amené à dire non, c'est qu'il a eu peur qu'on retrouve un chaos, on se retourne dans un chaos social où il faudrait qu'il fasse revenir l'armée. Puis ça, il voulait pas. Deux fois en 2 ans, là, ça n'avait plus de bon sens. Alors, c'est pour ça qu'il a dit non. Aux grandes dames de Trudeau qui en a voulu le reste de sa vie. Et je pense que Bourassa, ben là, il n'est plus là, il est décédé. Mais les conversations que j'ai eues par la suite avec lui, je crois qu'il regrettait amèrement de ne pas avoir dit oui, parce qu'on avait des garanties constitutionnelles beaucoup plus fortes qu'on n'a jamais pu avoir par la suite. Toutes les indications indiquaient bien qu'on allait gagner cette élection-là. Mais on ne savait pas qu'on allait gagner aussi fort. Mais tu ne peux pas empêcher un cœur de t'aimer, alors les gens ont voulu voter pour nous autres, il a bien fallu les laisser faire, pour ne pas dire autrement. Mais ce qui avait été le point tournant de l'élection en 73, c'était le budget de l'an 1 de Parizeau. Les péquistes, d'ailleurs, après sa défaite, pendant les mémoires qui ont été écrites par René Lévesque, il parle du budget de l'an 1 en disant que ça n'avait pas été la découverte du siècle. Parce qu'ils se sont mis dans une... Vous savez, ils se sont mis sur la défensive. Puis un parti d'opposition qui est sur la défensive, c'est pas bon. Parce que normalement, c'est le gouvernement qui doit répondre de ses gestes, tandis que là, ça a été... Évidemment, Parizeau, puis la stratégie, c'était d'amener Bourassa au débat. Puis Bourassa, il dit, moi, je vais le faire à une condition que ce soit René Lévesque, chef du parti. Je n'ai pas de raison pourquoi que moi, comme premier ministre en plus, que je vais aller débattre contre un type qui n'est pas ministre puis qui est seulement que député, il n'est pas le chef du parti. Alors, c'est là qu'il est arrivé que c'est moi qui ai été l'heureux gagnant de la loterie et qui a dû me faire le débat avec Parizeau. Moi, je me dis, essayer de me préparer psychologiquement. D'abord, j'ai commencé par techniquement. Je connaissais, je pense, son document plus que lui. Et psychologiquement, d'essayer de savoir comment tu t'attaques à Parizeau, qui était le grand seigneur. Tu sais, moi, j'étais ministre, j'avais 35 ans, puis lui, il était plus vieux que moi, puis il avait tout... D'abord, il avait le tour de souffler dans sa propre ballonne, comme il disait, pour montrer son importance. Donc, il avait une réputation bien plus grande que la mienne. Alors moi, j'ai dit, ça sert à rien d'essayer de me montrer plus gros, je vais jouer l'underdog. Et j'avais causé avec beaucoup de gens pour dire, quelle sorte de bonhomme que c'est Jacques Parizeau? Je connaissais Jacques Parizeau durant le temps que j'étais avec Jean Lesage, mais je dis, comment est-ce que les autres le perçoivent? Il y a un bonhomme qui m'avait dit, et il avait hésité un peu, qui s'appelle Marcel Casaman, qui était sous-ministre des Finances, qui avait travaillé avec lui, mais il ne savait pas pourquoi je lui demandais ça dans le temps. J'ai dit, quelle sorte de bonhomme c'est, M. Parizeau? Il regarde, puis il effrite le menton. Puis... Il dit, c'est un bonhomme qui connaît 70 % de tout. Alors moi, je me suis dit, donc il faut que je l'amène à plus que 70. Là, je vais frapper la zone où il ne connaît pas. Ah, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un sujet
qui était la relation entre le taux d'élasticité du revenu des revenus fiscaux par rapport à la croissance du produit national brut. Et là, j'ai poussé ça à la limite. Puis là, à un moment donné, M. Parizeau, il s'est reculé sur sa chaise. Dans ce temps-là, tu fumais à la télévision. Il s'est reculé un peu sur sa chaise, puis a allumé sa cigarette, puis sa main m'a tremblé. Alors, dans ma tête, j'avais gagné le débat. Nous, on avait fait un bon job aussi, je pense, quand on avait mis l'assurance maladie. On avait créé les 100 000 emplois qu'on avait dit qu'on créerait. On avait lancé le développement de la baie James. La construction des Olympiques du stade était déjà commencée. Avec le mouvement Desjardins, on avait mis sur pied une société spéciale, j'étais mêlé à ça parce qu'elle relevait de moi, où on avait 20 ou 25 % de place Desjardins à Montréal. Là, c'était en construction, c'était une grosse construction. Alors, l'économie était réellement roulait très bien. Alors, tout ça était des facteurs positifs pour notre réélection. Mais l'affaire du budget de l'AN, ça a été la cerise sur le sundae. Les élections ont lieu le 29 avril 1970. On a été assermentés, je crois, c'est le 12 mai. Et la veille, ça c'est un facteur important, la veille de l'assermentation du Conseil des ministres, Montréal était choisi par le Comité olympique international pour la tenue des Jeux olympiques de 1976. Ça a été une donnée. Quand on est arrivé, disons qu'au gouvernement, nous autres, sur le plateau, je ne sais pas de quel côté, mais il y avait cette décision-là qui avait été appuyée par le prédécesseur, qui était Jean-Jacques Bertrand comme premier ministre du Québec, Pierre-Yves Trudeau comme premier ministre fédéral. Puis là, c'était le maire. Puis le maire de Montréal était Jean Drapeau. Et M. Drapeau, évidemment, tenait mordicus à soutenir que les Jeux n'avaient pas été donnés à une province ou à un pays, ils sont donnés à une ville. Et la ville, il y en était où ça avait été la ville, il avait été retenu, il en était le maire. Et il en était le maire tout puissant. Et à ce moment-là, le maire Drapeau, qui était un homme très fort, puis qui était un communicateur, puis un stratège, il fallait que tu prennes au sérieux si tu voulais t'attaquer à lui, avait gardé un peu une crotte sur le cœur de l'exposition internationale de 1967, où, à un moment donné, c'était la ville aussi qui avait obtenu les Jeux, mais à cause des coûts, etc., finalement, il s'était fait tirer le tapis sous les pieds, puis il y avait eu un groupe qui avait été formé. Le maire de Montréal, la ville, avait joué un rôle important dans l'organisation de l'exposition internationale, mais ne contrôlait pas toute l'action. Et le maire Drapeau s'était bien dit que pour les Jeux olympiques, c'est moi qui les ai obtenus, c'est moi qui vais contrôler ça. Alors, le gouvernement du Québec avait été sollicité au point de vue des revenus, mais en termes de coûts de construction, le stade olympique, l'architecture du stade, etc., c'était à la ville de Montréal, puis le maire était très jaloux de ça. Et on avait suffisamment de nos problèmes à Québec à cette époque-là, avec les événements d'octobre, l'assassinat de Pierre Laporte qui avait été enlevé avec James Cross, et puis il y avait les conventions collectives, puis il y a eu la conférence dont on a parlé de Victoria sur le rapatriement de la Constitution. Alors, et là, c'est évidemment, le maire, lui, il continuait son travail. Et je pense que le coup dominant a été le choix de l'architecte Taillibert. Mais encore là, quand on regarde le choix de Taillibert, puis la structure du stade, parce que le problème, c'était l'architecture du stade qui était tellement compliquée. Il n'y a pas deux pièces. Quand vous regardez ces immenses fléaux qu'il appelait, là, il n'y a pas deux pièces pareilles. C'était tout à géométrie variable. Il fallait qu'ils soient fabriqués une par une, puis parce que c'était une ellipse d'abord, c'est pas un carré, c'est pas un rectangle. Ça a été uniquement rendu à 1974 que là, on a commencé à dire non seulement les coûts vont être défoncés, mais on va-t-il être capable de livrer la marchandise à temps? C'était ça qui était la grande préoccupation. Ce qui a amené, je pense que c'était en 1975, malheureusement, je n'ai pas la date précise, mais il y a eu, je me rappelle, une journée, entre autres un dimanche, je reçois un téléphone tôt le matin de Bourassa, qui était
à Sorel, là, sa belle famille, les Simard, c'est là qu'il restait. Puis il était chez ses beaux-parents. Puis il m'appelle pour savoir si je pouvais aller à Sorel. J'ai dit, écoute, tu peux bien y aller, mais j'ai dit, si je pars maintenant, je ne serai pas là beaucoup avant 2 heures. Non, il dit, on va t'envoyer chercher un hélicoptère parce qu'il dit, c'est important. Il dit, j'ai dit, de quoi tu veux parler? Je veux parler du stade olympique. Alors, c'était l'hélicoptère du gouvernement. Je suis allé à l'aéroport, je suis allé à Sorel. Et là, il y avait Claude Rouleau, il y avait Robert Bourassa, il y avait Bernard Lamarre, puis qui était l'ingénieur retenu par la firme Lavalin, retenu par la ville de Montréal pour concevoir et réaliser, coordonner toute l'action du stade olympique. Et pas sûr si Fernand Lalonde était là, mais je suis pas certain, parce qu'à ce moment-là, je pense que Fernand Lalonde était comme ministre des... Il avait un rôle, en tout cas, à jouer du côté des Olympiques. Et là, pour la première fois, comme à ma connaissance, Bernard Lamarre nous a expliqué que dans la structure actuelle, un, les coûts allaient probablement être défoncés, puis deux, il était inquiet sur la capacité de livrer la marchandise à cause d'une structure décisionnelle trop complexe, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé d'enlever au maire Drapeau la réalisation du stade olympique, d'où est arrivée la loi qui a créé la régie des installations olympiques, qui a fait que le gouvernement du Québec a pris la responsabilité, à partir de ce moment-là, a enlevé à la Ville de Montréal cette responsabilité-là. Et je comprends que Bourassa était très, très prudent parce que, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, s'attaquer à M. Drapeau, c'était pas une mince tâche. Et alors, il a fallu convaincre M. Drapeau. Mais je pense qu'il voyait bien que ça pouvait pas le risque de la réputation de la ville, puis du Québec, puis du Canada, parce que c'était tout le Canada qui était en jeu. Alors, finalement, il a accepté. Je ne dis pas qu'il a accepté de gaieté de cœur, mais il n'a pas fait d'objection. Moi, je suis convaincu que si on n'avait pas fait ça, on n'était pas capable de tenir les Jeux olympiques en 1976. Une des choses qui ont été faites tout de suite au début, ça a été de libérer le chantier de construction. Il y avait bien trop d'entrepreneurs, ils ont libéré ça. M. Trudeau, qui était le sous-ministre des Travaux publics, qui est un homme qui avait à ce moment-là 63-64 ans, j'imagine, il était pas loin de sa retraite, mais c'était reconnu comme étant un gars de droite comme l'épée du roi, mais avec une poigne de fer. Il s'en allait à la porte d'entrée du chantier pour contrôler les heures d'arrivée, contrôler les camions qui rentraient puis qui sortaient, parce qu'il y en a qui rentraient chargés puis ressortaient chargés. Alors, imaginez-vous que ça augmente les coûts, ça. Puis les syndiqués qui rentraient chez le chantier, ils poinçonnaient puis ils ressortaient prendre du café puis ils revenaient une heure après. Ça aussi, ça augmente les coûts. Alors, ils ont, comment j'aime ça, ils ont mis de l'ordre dans le chantier. Puis nous, là où j'ai été impliqué beaucoup, c'est comme président du Conseil du Trésor, parce que comme c'était une responsabilité gouvernementale, il fallait appliquer les règles gouvernementales dans l'octroi de contrats, etc., même s'il a fallu faire des écarts aux politiques normales. C'était les seules périodes de toute ma vie, mes 6 ans et demi comme président du Conseil du Trésor du Québec, où on a siégé à Montréal. On allait siéger à Montréal pour être capable d'accélérer le processus décisionnel de telle sorte que quand une décision était prise, approuvée par le comité ministériel, qui était le Conseil du Trésor, il pouvait opérer plus rapidement. Les fonctionnaires de la régie des installations olympiques, qui est à Montréal, forcément, c'est obligé à venir à Québec. Alors, on a déplacé les ministres plutôt que les fonctionnaires, et on a siégé là pendant quand même pratiquement jusqu'à la fin jusqu'au moment des Jeux, jusqu'à la fin des travaux, qui ont permis, je pense, de sauver meubles puis d'être capable d'ouvrir le stade. Les Olympiques ont ouvert, je pense, fin juillet, début du mois d'août, quelque chose comme ça. Je pense que c'est vers le mois de mai, juin, dans ce coin-là. Il y avait un fonctionnaire qui faisait partie d'une espèce de comité de suivi des coûts. Un ingénieur avec d'autres qui suivaient voir si, tout en respectant le plus possible les normes, est-ce que les argents étaient dépensés correctement. Et il a écrit une lettre à
à Guy Coulombe, qui était à ce moment-là greffier du Conseil des ministres, qui est fonctionnaire numéro un du Québec, disant dans sa lettre qu'il croyait que la structure du stade olympique était problématique et que lui, il mettait, donnait un avis à l'effet que ce serait dangereux pour les citoyens lorsque le stade serait rempli à 60 000. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je me rappelle, Guy Coulombe était fort embêté, puis vraiment, mes relations avec lui comme fonctionnaire, moi comme président du Conseil du Trésor, il avait été mon sous-ministre pendant quelque temps, puis il savait qu'au point de vue financier, puis que je jouais un rôle important dans le gouvernement, il vient me voir avec cette lettre-là, il dit « qu'est-ce qu'on fait? On en parle-tu au premier ministre ou pas? » Parce que là, ça voulait dire qu'on cancellait, en principe, les Jeux. Alors, il y avait une autre personne qui était au courant, c'était Claude Rouleau, qui était le numéro un au Stade olympique. Et on conclut qu'il fallait en aviser M. Bourassa, parce que c'était trop important pour ne pas le dire au premier ministre. Et là, on a décidé que M. Coulombe irait voir ce fonctionnaire, dont j'oublie le nom, peut-être aussi bien comme ça, pour essayer de dire « sur quoi tu te bases pour écrire ça? » Te rends-tu compte de… ça, c'est un avis qui est contraire à l'avis qu'on a de Lavalin puis de tous les autres ingénieurs puis de l'architecte à Hibert. Comment tu peux démontrer que tu as raison, toi, puis que c'est réellement… dans... Évidemment, il n'était pas capable de le faire. Et finalement, après la discussion, il a décidé de retirer sa lettre. Je ne sais pas si elle existe encore, mais il a retiré sa lettre et on n'a jamais parlé. Mais je me rappelle très bien, par exemple, lors de l'ouverture des Jeux, il y avait eu une réception avant que tout le monde rentre dans l'estrade, dans l'immense parc olympique, pour les cérémonies d'ouverture. Puis j'étais avec Claude Rouleau, j'ai dit « on se regarde, on rentre-tu? » Est-ce que ça va nous tomber sur la tête? Évidemment, aujourd'hui, on est en 2006, le stade est encore debout, mais c'est ce genre de décision-là qui est difficile à prendre quand tu es en politique puis tu as un poste d'autorité. Si on avait cancellé les Jeux, vous vous rendez compte de ce que ça signifiait sur le plan de la réputation, tout l'argent qui avait été mis là-dedans, ça tombait à l'eau. Par contre, ce qu'on a fait, imaginez-vous s'il y avait eu... s'il y avait eu un drame quelconque, puis une poutre était tombée ou je ne sais pas quoi, la lettre serait ressortie probablement rapidement, puis là, on aurait été accusé de je ne sais pas quoi.